gens somme qu'aux essais libres du vendredi, mais l'ambiance est déjà au rendez-vous. Nous vous accueillons avec grand plaisir dans la métropole de Mexico. Essaie de boucler des tours propres, s'il te plaît. Il nous faut des données exploitables pour notre stratégie en course. Dans une dizaine de minutes, pluie dans 10 minutes.
très bon boulot. Les infos récoltées vont nous aider à avancer dans nos recherches. Et voilà, les essais sont officiellement terminés. Au revoir et à très vite. Quelle ambiance! Les fans sont là depuis le lever du jour et le Forosol est en ébullition. Les pilotes vont établir la grille pour le Grand Prix de demain à l'issue de la séance de qualification ici à Mexico.
C'est l'heure du Grand Prix de Mexico, une course qui a offert à Honda sa première victoire en 1965, quand l'Américain Richie Ginter l'a emporté depuis la troisième place sur la grille de départ. Red Bull a particulièrement brillé ici au cours des saisons précédentes, mais la belle série continuera-t-elle ? L'autodrome Hermanos Rodriguez compte 17 virages, 10 à droite et 7 à gauche, et vu la météo, ils offriront sans doute une difficulté supplémentaire. On ne pourra pas compter sur le DRS, du moins pas en début de course. Les tentatives de dépassement sont à privilégier dans le premier virage et peu après dans le quatrième virage. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et Fernando Alonso part à ses côtés. Regardons maintenant le reste de la grille. Norris, Hamilton, Leclerc, Pérez, Stroll, Tsunoda, Joe, Russell, Albon, Gasly, Bottas, Oscar Piastri, Ocon, Magnussen, Hülkenberg, Ricciardo, Sainz et Logan Sargeant. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Avec moi dans la cabine de commentaires aujourd'hui, un homme que je tiens en très haute estime, Jacques Villeneuve. Un journaliste sait ce qu'il a à faire avant le départ d'une course. Qu'en est-il pour les pilotes, Jacques ? À quoi ressemblent les dernières heures avant le départ ? Les pilotes aussi ont leurs petites habitudes d'avant-course. Certains mettent un casque pour écouter de la musique, d'autres préfèrent s'imprégner de l'énergie du public en allant le saluer. Il y a des pilotes qui préfèrent s'enfermer dans leur bulle ou bien discuter avec les ingénieurs pour emmagasiner un maximum d'informations vitales dans l'optique de la course. Il ne faut pas minimiser l'importance de ces routines d'avant-course. Les pilotes participent à de nombreux grands prix dans une saison et ces routines rassurantes leur permettent d'affiner leur automatisme malgré le changement d'environnement. Et ça y est, les pilotes partent pour le tour de formation. La météo est grise et humide aujourd'hui et les pilotes vont devoir prendre en compte ces paramètres pour correctement préparer le départ de la course. Nous sommes quasiment prêts pour le départ. Alors que les monoplaces s'alignent sur la grille, pilotes et écuries n'ont plus que quelques instants pour s'assurer que tout est en ordre avant l'extinction des feux.
notre coéquipier 4,2 secondes.
On dirait qu'il y a un problème et que les mécaniciens n'arrivent pas à enlever l'aileron avant de la Sauber. L'écurie va être grandement déçue. C'était notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt n'est prévu pour aujourd'hui. Et il est reparti, très bel arrêt, et aucun problème pour Joe.
moteur jusqu'à présent, c'est clair. Mais rien n'est joué. Redouble d'efforts et concentre-toi sur la fin de la course. We'll be right back.
Joe. Je sais que tu as eu un passage à vide, mais peu importe. Concentre-toi et essaie d'affiner tes trajectoires lors du prochain tour, s'il te plaît.
think about straight line speed, it's difficult to catch them. Very, very difficult. Quelle belle journée pour Fernando Alonso qui fête sa victoire, et quelle victoire! C'est facile pour nous de regarder le résultat final et de ne parler que de sa victoire, mais il faut aussi prendre en compte le scénario tout entier. Quand on est pilote, il faut arriver à surmonter les difficultés qui se dressent tout au long de la course, Julien. Ce n'est pas évident. Il faut faire preuve de beaucoup de maturité et de force mentale. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on peut aborder la suite du championnat avec confiance. Avec ce résultat, l'écurie Aston Martin prouve qu'elle peut être compétitive face aux mastodontes de la discipline. Les pilotes avancent vers le podium en ce moment même et les acclamations du public doivent leur faire chaud au cœur. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit.